Bonsoir à tous et bienvenue. Je voudrais commencer ce programme avec des mots dont je pèse le poids à la balance émotionnelle de mon cœur. Des mots d'amour, de réconfort pour toutes les personnes qui aujourd'hui auraient perdu un être cher. Vous savez, malgré des fois le départ des uns, on a l'habitude de se dire que la vie continue et on est obligé d'être là en fin de journée pour vous redonner le sourire, vous redonner la niaque, vous redonner la poigne de continuer et de regarder toujours vers l'avant. Bonsoir à tous et bienvenue sur C'est comment. Vous savez, quand on dit C'est comment, on répond, on est là. Vous pouvez nous suivre en direct de votre téléviseur, mais également à partir de l'application Free Africa. Et encore, n'oubliez pas, chaque fois on a un thème et vous pouvez réagir via notre page Facebook officielle C'est apostrophe comment avec le point d'interrogation. Heureux de le mentionner également, vous êtes déjà plus de 50 000 à nous suivre régulièrement. Merci. Merci également à Pani parce qu'elle est avec nous. C'est comment, Pani? On est là, Joe, on est là et avec un max de couleurs pour apporter beaucoup de soutien et beaucoup d'espoir à ceux qui n'en ont plus. Et je vous souhaite en fait d'avoir une lumière suffisamment vive pour éclairer ceux qui en ont besoin et encore plus forte pour brûler tout ce qui vous empêche d'avancer. Bienvenue sur le plateau de C'est comment ici, on est là. Pour brûler tout ce qui nous empêche d'avancer, on compte souvent sur l'humour, le fou rire et notre pincée, le zeste de fou rire sur ce plateau. C'est Mister Calagan, c'est comment Calagan? Bonjour Joe. Hello. Bonsoir Joe. Bonsoir. Et bonsoir à tous ceux qui me regardent. Sincèrement, c'était le 4 décembre. C'était le 4 décembre 2010 et 4 décembre 2019. Ça fait 9 ans. Ça fait 9 ans de suite. Sincèrement, que je n'ai plus cette chance de ramasser l'argent en route. Donc, t'allais dire qu'on a commencé l'émission, on devait. Je n'ai même pas ramassé 5 francs. Donc, l'argent, tu ne le ramasses plus, tu le gagnes maintenant. Ça veut dire que le temps devient de plus en plus difficile. Et il y a les banganté, parfois, tu vois un banganté, tu ne sais pas où l'argent sort, où banganté. Tu entends un banganté te dire que, monnaie comme moi. Donc il mange l'argent ne finit pas. C'est l'argent de la sorcellerie. Comme pour dire qu'il a, il a trop d'argent. Bon, il y a un proverbe de chez nous qui vient dire que, bon, mon bagam, c'est-à-dire, traduction en langue bantou. Quand ta main est toujours sur ta paire de fesses, à chaque fois, tu risques d'arriver où il ne faut pas arriver. D'accord. Ton doigt risque de toucher le matière fécale. Ce n'est pas normal. Donc, à un certain moment, fais attention. Il y a des gens que tu les dis à chaque fois que le gars avec qui tu marches n'est pas bien. Il dit non, on peut marcher avec quelqu'un, on ne fait pas ça. On peut être avec quelqu'un, Non. Ça ne m'influence pas. Je peux marcher avec X ou Y, ça ne m'influence pas directement. Ne sachant pas qu'au fur et à mesure. Pour finir, ta main risque de toucher où il ne faut pas. Parce que si c'est une habitude, dis-moi avec qui tu manges, je te dirai qui tu es. Point bas. Jésus n'avait pas que des bonnes compagnies. Il y a combien de Jésus c'était? Ah ça, oui, il y en a avec qu'un. Enfin, ça dépend des religions. Jésus prédisait. Jésus prédisait. Il te dit que celui avec qui la main va se croiser tout à l'heure, c'est celui qui va me trahir. Ta main se croise avec sa main et jusque-là, tu le trahis toujours. Bon, ce qu'on retient de toute façon, c'est que déjà la mauvaise compagnie, d'une façon ou d'une autre, finira par une mauvaise intention. Exact. Ah bon, oui. C'est la même chose qu'on retient pour toi, Tommy? Personnellement, moi, je pense qu'on peut retenir cela. Parce que à la réalité, vous pouvez marcher avec quelqu'un qui n'est pas de très bonne compagnie. Le jour où il fait une gaffe, vous serez le premier à... On vous prend ensemble. Voilà, on vous prend ensemble. Voilà, c'est ça le truc. Mais vous savez que vous pouvez le
convertir aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il peut être quelqu'un de mauvais. C'est imaginable. Il ne faut pas voir les choses que du mauvais côté. Bon, oui, il y a cette possibilité. Mais si au bout d'un certain temps et qu'il ne change pas, vous faites comment? Vous êtes toujours avec le même bonhomme. Vous le laissez. Avec le même bonhomme à chaque fois. Non, mais il faut essayer de faire des bonnes actions. Chaque fois qu'on vient d'arrêt comme ça, tout le monde prend Tokyo. Tu avais comme on te prend d'avoir avant de demander. Ramener les brebis égarées. C'est ça le principe. Donc, c'est vrai qu'on peut marcher avec quelqu'un qui a de mauvaise réputation. Ou de petites vertus, comme on dit souvent. Mais c'est à craindre quand même. Alors, voilà. Tommy, on va parler de compagnie, mais oui, pas sous cet axe-là. Oui, certainement, on va parler plutôt de compagnie sur un tout autre axe. On va parler d'un ami, comment on peut gérer une relation avec un ami qui est avare, qui est très chiche. Voilà, donc c'était ça. Bon, qui est avare, qui est très chiche. Pour que les téléspectateurs comprennent ça clairement. Une relation avec un ami qui est avare, qui est trop chiche, c'est facile. Bon, on va non, en parler. Pas les amis non, maintenant. Programme. Je voulais aussi profiter pour saluer les téléspectateurs qui nous regardent. Pas que un ami écoute, un ami qui est chiche. Vas-y, Tommy, on t'écoute. Je voulais aussi profiter pour saluer les téléspectateurs et partager ces ondes positives, mais aussi pour passer un message. Si ton frère arrive à un niveau d'excellence international, s'il arrive qu'il t'ait demandé de voter parmi des personnes et que ton frère y participe, soutiens le papa. Ne va pas dire que je vais chercher les performances. Tu soutiens d'abord ton frère et après on va voir le purisme après. Bon, ça bon, c'est une chose. Ça nous amène dans notre débat. Je crois que tu parles du ballon d'or. Didier, toi avec nous ce soir. Didier, toi. Alors, dans l'actualité, des images qui font le buzz sur la toile, des photos de Steve Pongkamp Proposal, oui, les fiançailles de Steve. Ah oui, c'était top, original. Trop tôt. Steve Pongkamp. Oui, on était ensemble, mais je lui ai demandé, mais comment tu as fait ça? Pourquoi tu sors du marché? Voilà, donc on a les images là de la barque. Je pense qu'on a la petite vidéo de la surprise faite à l'heureuse élue. Voilà, Dani. Elle me met très high. My phone. Take my phone. Gentlemen, this is my wife. Trop le buzz sur la toile. Mais pourquoi vous avez coupé? Faire quoi à côté C'était une surprise, moi, je ne suis pas sûr de comprendre. Mais vous avez sur le lit, c'était écrit Will you marry me? Et qui était là pour filmer même dans une chambre? Il faisait Mais les gars, voyez un petit peu. La grande finale de Miss Ronde et Belle est prévue pour le 22 décembre. Ce sera sur le plateau, le prestigieux plateau de Yafé. Je pense que normalement, Canal 2 également devrait avoir son jour dans trois grandes semaines de Yafé. Je pense que c'est le 27 décembre, si je ne me trompe. Mais le dimanche 22, à partir de 14h, c'est la grande finale de Miss Ronde et Belle. Elles sont 20 présélectionnées après le casting de la fin du mois de novembre. 20 qui arrivent des 10 régions du Cameroun pour compétir, pour avoir la troisième édition de cette belle compétition dédiée aux femmes fortes, de forte corpulence, organisée par notre très chère Dorette Zitou, et qu'on salue et qu'on encourage parce que j'imagine elle n'a pas de grosse, elle n'a pas véritablement de soutien pour cette compétition. Ça va faire trois belles années qu'elle se bat. Vraiment, big up, big up, big up, big up à toi, Dorette. L'actualité aussi, voilà, donc quelques images des présélectionnées. Elles sont donc 20 et elles sont donc en compétition. Mignonnes. Toutes mignonnes, vraiment. Toutes mignonnes. Calagan, tu as vu? Elles sont jolies.
Il n'y a même pas une filière de là-bas. Oh, mais les femmes africaines sont surtout la deuxième, en commençant par la gauche. Bah, Zizoni. Traduction. Aïe, 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 aïe. Ouh, voilà, le 27, là, on doit être là. Le 22. Ah, le 22. Mangez pas, surtout. Mangez pas, surtout. Oui, dans l'actualité également, les numéros, les titres et les shows d'humour qui marchent très bien. Rire à gogo, la dernière de l'année 2019, c'est le 13, le vendredi 13, au Douala-Bercy, avec quand même les incontournables, hein, les seigneurs du stand-up, Moustique le charismatique, Général Mella. Et surtout pour la musique, Mimi et le Grand Baraque qui sont programmés, c'est le vendredi 13. Le même vendredi, et toujours à Douala, nous serons du côté, il y a un autre spectacle d'humour toujours, du côté du Castle Hall. Ulrich Takam présente son quatrième seul en scène, intitulé « Ma première fois ». Sur Internet, il faut dire que Ulrich Takam fait quand même un gros carton. Ses pages, son compte Facebook, son compte YouTube drainent vraiment, vraiment du monde. Je pense qu'il est, il n'est plus loin d'atteindre les 100 000 abonnés très régulièrement avec tous les numéros, les feats de Takam. Il y a les feats de Takam, il y a les parodies. De Takam. Ça marche vraiment, vraiment très bien. Et donc, c'est l'occasion pour lui d'avoir ce moment d'intimité, une symbiose particulière avec son public. Il y a un seul en scène. C'est un minimum d'une heure de spectacle. Yaoundé a déjà eu son tour. C'était le 29 novembre dernier. Et maintenant, Douala attend. Ce sera le vendredi 13. Donc, au Castle Hall, humour toujours, un nouveau titre, un nouveau spectacle qui marche très bien. C'est un show grand public d'humour et c'est aussi une émission sur Canal 2 Movies diffusée tous les dimanches à 17h30. C'est Comédie Tour, mais le concept est tout simple. Aller dans un quartier, c'est la caravane de l'humour carrément, aller dans un quartier, un carrefour populaire et offrir l'opportunité. Offrir d'abord un beau spectacle avec des noms de l'humour qui sont plutôt plus ou moins établis, mais également offrir la possibilité aux jeunes humoristes du coin de faire montre de leur talent. Tout récemment, c'était à Dakar, il y a eu un numéro avec, comme on peut le voir, Ezaboto, Sans que le mannequin, Kassala et tous les autres. Et donc, le prochain rendez-vous, attention, ce sera à Garoua, dans le Grand Nord. C'est un grand défi pour la production. Et on salue à cet effet Donald Jacet, quitter son fief, quitter le littoral et se retrouver dans le Grand Nord pour le prochain numéro. Il faut le faire. Il ne faut pas oublier Kalepa. Kalepa, oui. Qui présente l'émission? Kalepa, c'est la machine, la plaque tournante. La plaque tournante. Voilà. Ouais. Le rendez-vous, donc, c'est sur Canal 2 Movies tous les dimanches à 17h30. Humour encore. Hier, on parlait de la nouvelle série, celle de Manolap, Lueur d'amour, qui arrive sur Canal 2 International dès le dimanche 8 décembre, donc dimanche prochain à 18h30. Il y a une autre série qui arrive et ça, ce sera à partir du mois de mars et précisément le 20 mars 2020, qui s'appelle Quartier Chaud. Alors avec un casting, je veux dire juste exceptionnel, Wacke Foguin, Zakoukla, Esther Biga dans la même série. C'est 53 épisodes, si je me trompe, 53 épisodes de 26 minutes. Je pense qu'on a un extrait du jeu d'acteur de Wacke Foguin que j'ai envie de vous faire découvrir. Pour Quartier Chaud, ça arrive en 2020, précisément le 20 mars sur les antennes de Canal 2 International. Extrait. C'est ça. Oui, donc c'est une belle remarque de remarquer que l'offre en termes de séries au Cameroun se densifie véritablement. Densifie au point où on a déjà les programmes préétablis sur certaines dates. Ouais. Donc on est en décembre là et on sait déjà ce qui va se passer. En avril, c'est magnifique. En mars. C'est magnifique. Donc quelques extraits de musique avant de tomber sur notre coup de cœur de la semaine. On a le nouveau clip de Sony 007. Vous savez, là, on est à quelques jours de la célébration des 20 ans de Munieka, oui. Mais Sony 007 a un nouveau clip disponible. C'est exclusif pour Canal 2 International. Stanley Eno, il faut ouvrir. Glory. Vers toutes les plateformes digitales pour télécharger l'intégrale. Moi, j'ai retenu ma phrase. Tant que la lumière existe, je ne peux ne peut que briller. Ouais. Et moi, je préfère la persévérance, la vitamine du succès. Ouais. Même quand tu échoues, il faut continuer d'essayer. Bravo à Stanley Eno et son actualité. Bon, j'ai vu sur Internet, il a rencontré Bendeka, il a rencontré Nyangolo du Sud et il paraissait en être très ému. Et il y a aussi qu'actuellement, il est en tournage de son nouveau vidéogramme, Oh My God, qu'il avait fait sur le plateau de C'est Comment. Donc, je suppose qu'après Glory, il va enchaîner directement. Et une autre actu encore le concernant, c'est que finalement, le concert du 28 décembre, qui était programmé le 28, a été reporté au 11 février. Voilà.
On sait quand même un max cette année, hein, communique bien sur son image. Allez, on a un thème, Tommy, on peut le rappeler avant de retrouver notre invité. Voilà, le thème il est assez simple. Comment, quelle attitude on devrait adopter quand on est face à un ami, quand on est face à un ami qui est avare. Comment gérer une relation amicale face à quelqu'un qui est très chiche. Donc on aura le box pop, on aura la vidéo. Mais quand c'est façon d'appuyer sur très chiche. Il est un John. Très chiche, non, c'est les gars qui sont cricatac, cricatac, pam, pam. Oui, mais bon, pendant que nous y sommes, je demande juste, quand on dit chiche, c'est quoi? C'est être difficile avec l'argent? Un John, mon frère. Ouais, de spingue, quelqu'un qui n'est pas généreux. Parce que la généreux. Parfois, ils sont même chiche envers eux-mêmes. Parce que la générosité peut se définir de mille et une façons. Non, non, mais en fait, il est chiche. Je dis non, ça comme ça, ouf. On lui donne, mais il ne donne jamais. Pourquoi tu insistes? Non, j'essaye d'éclairer. Non, tu n'éclaires rien, les gars, on comprend. On connaît les chiches. Ces gens veulent donner l'impression que je suis en train de défendre quelqu'un. Non, non, on n'a pas dit qu'il défend. Peut-être que tu te défends toi-même. Non, on ne sait pas. Tu veux essayer. Le résultat des palmistes, c'est sur les cailloux. On a dit qu'un ami qui est avare, qui est très avare, c'est ça? Oui. Très avare. Oui, mais en fait, ça veut dire que ça a dépassé. Avec qui tu es avec tu fais chaque fois. Il attend que c'est toi qui sors l'argent. Le 31, c'est toi qui payes la facture. Voilà. Et à chaque fois, il gratte la tête. Mais être. Alors qu'il a. Alors, mais bien sûr. Si vous êtes 5, vous faites la tournée à 4, à 5, lui, il est occupé. Mais mes amis, s'il vous plaît, attendez, qu'on a invité. Mais c'est lui qui a voulu déranger. Non, bon. Il a bien compris la question. Non, j'ai pas compris la question. Je sais pas forcément ce que vous avez dit. Si tu n'as pas compris la question, alors tu annonces notre invité. On va t'expliquer la question juste après. Et Chicha aime recevoir les dons. C'est ça. Tu lui donnes pas le cou gonfle. Oui, le YouTube donc il est le premier à être sacré au quartier. Voilà. Alors, ces deux dernières semaines, on a énormément entendu parler de l'aris professionnel. Et dans ce programme, on va finalement coller un visage au nom. Ce doux visage, le visage d'Ingrid, elle a fait le tour du monde. Elle est allée absolument partout. Elle aime tout ce qui est beau, tout ce qui est chic, tout ce qui est doux. Elle aime la beauté, elle aime l'esthétique. À la base, elle a une formation d'informaticienne. Donc, elle est également méticuleuse, rigoureuse. Elle aime les chiffres, les 0, les 1, mais elle aime également, comme je le disais, hein, tout ce qui est chic et classe. Elle crée donc l'Aris professionnelle qui, désormais, depuis au moins 2 semaines, elle est à la quête d'une égérie, une égérie qui va être 100% camerounaise. On la reçoit, elle va parler de son parcours, de son entreprise, parce qu'elle est entrepreneur naturellement, de ses aspirations, de sa vision. C'est un plaisir de la recevoir. Bienvenue Ingrid alias. Mais vous ne pouvez pas priver Tommy. Tommy aimerait bien être à côté d'une Miss. Monsieur le réalisateur, faites quelque chose. Je pense que Mylène doit reprendre son poste. Hein. Mais oui, parce que là, il a l'impression qu'on a avantagé Joe et il se voilà, sent... Voilà, et en plus, je me sens esselé. Bon, il y a une question. Mon rêve se réalise. Être à côté de deux beautés magnifiques, c'était mon rêve. Didier, toi, il y a une question, justement. C'est à ton attention, Ingrid. Oui, je suis là. J'écoute. Bonsoir tout le monde, très content d'être là. Bonsoir, mais c'est pas ça la réponse. Mais j'ai pas compris. Écoute bien. On a posé la question. C'est comment? Ça va, très bien. Ça va. Mais personne ne l'a briefé. Non, elle a pas été briefée. Personne ne l'a briefé. Mais quand on me dit quelque chose, là je te délivre. Délivre-moi s'il te plaît. Tu me promets quoi? Fais-moi une promesse. Un bisou. Ça peut être... Ah, c'est pas mal hein, pour le début. C'est quoi le bisou marché central? La centrale, non. Non, bisou. Non, mais centrale commente aussi. Je demandais juste. Mais il faut marchander. Hein. Si tu n'as pas la clé, tu ne peux pas entrer. Bon, en tout cas, si c'est pas marché central, tu réfléchis toi-même. Non, mais comment ça marché central hein? Canal 2. Non, on est là. Ah! L'accouchement n'a pas été facile, mais bon, on avance. Ben, l'enfant est né. L'enfant est né, finalement. L'accouchement n'était pas facile, mais l'enfant est né. Alors, on est en plein dans le questionnaire, Kalagan, tu as la première. La première question. That's East Minor Questions. Mm-hmm. Yeah. Quel genre de petite fille étais-tu? Tout ça. Voilà. Une petite fille riche. Non, je n'étais pas une petite fille riche. J'étais plutôt
issue d'une famille pas très riche, mais mes parents, quand même modestement, mon père travaillait très bien, il était menuisier, ma mère, elle était ménagère, elle était à l'époque secrétaire médicale, après elle a arrêté pour s'occuper de nous. Et donc très petite, j'étais entourée des garçons parce que j'étais la seule fille. Et donc du coup, il fallait que je m'impose. Ouais. Et face à tout ce milieu un peu de macho où c'est toi qui dois faire à manger, c'est toi qui dois tout faire comme ça, j'ai créé ma propre fille. Parce que tu es fille unique. Je suis fille unique. Voilà, il faut le préciser. Non, j'ai 5 frères. Ouais. Et donc je suis l'unique fille. L'unique fille, oui. Voilà. Je sens que les retours. Et donc. Quand quelqu'un touchait à toi. Non, oui, c'était ça. Mon père est très costaud, très fort, il me défendait toujours très bien. Il m'a toujours dit... Bon, en ce moment-là, tu ne te rends pas compte que le côté mature est quand même bien, parce qu'en ce moment, on te protégeait. Non, pas du tout, ça dérangeait vraiment, parce que peu importe un petit copain qui me parle, on l'a déjà tapé. Tu es protégé. Non, c'était pas bien. Ça donc, me faisait une petite un peu de... fille, un peu surprotégée. Voilà, surprotégée, et ce qui a forgé ma personnalité m'a donné envie justement de bosser pour acquérir un peu une indépendance assez rapide. Rapidement, ce qui fait que très vite, je savais ce que je voulais parce que j'étais un peu à la fois d'être la fille unique. Je devais m'occuper de mes frères, faire à manger, tout gérer à la maison. Ça m'a forgé ce côté un peu maternel. Alors, et donc, c'est un positif aujourd'hui en grandissant. Wow. Oui, en grandissant, je suis super heureuse d'avoir vécu aussi encadré d'hommes. Ça, et... c'est bien ça. Oh là là, ouais, ouais, c'est cool. Non, je sais m'occuper. Ton mari a de la chance. Ton évidemment. Mon mari. Tu t'es bien marié. Oui. Hey, yeah. Est-ce que petit, on pouvait deviner ce que tu es devenu aujourd'hui, c'est-à-dire que. Non, si, quand même, il fallait le dire parce que à l'époque quand j'étais à l'école, j'étais vraiment toute petite au primaire et tout, peut-être à 8 ans, je coiffais déjà toutes les mamans du quartier, je constituais ma caisse. Chaque Noël, je m'achetais mes habits moi-même. Ma mère n'avait pas de stress par rapport à ça, donc c'était déjà une passion. Mais par contre, mon père, à chaque fois, disait non, il fallait que je fasse des études un peu poussées pour pouvoir mieux gagner ma vie. Donc, je suis allée jusqu'à faire réseau sécurité informatique à ISCDI, faire des formations même étrangères de Limoges. Et après, bon, j'ai essayé de retrouver ma place au milieu des hommes. C'était non, en fait, on ne veut pas trop travailler avec les femmes, ça nous déconcentre. Tout le temps, chaque fois, je dépose des demandes, c'était compliqué. Je comprends pourquoi ça allait déconcentrer. Parce qu'il y a la majorité des gens... Il n'est pas très concentré non plus. Pourquoi c'est les déconcentrés? Lui, il n'est pas concentré. Parce qu'il y a un chignot tactisme positif, non, maintenant. C'est ça. Quand je regarde... Son mari regarde l'émission. Hein? Non, rien. Est-ce qu'on est en train de faire l'émission pour qu'on ne regarde pas? Bon, c'est du divertissement, il ne faut pas prendre très au sérieux. Non, non, on a le droit de rigoler. Sauf mon Dieu, super, belle chose. Et donc, du coup, après mes études informatiques, j'ai dit, ok, c'est bon, à l'école, j'étais enceinte, il fallait que j'aille faire mes cours et tout, je me suis dit, il fallait que je me pose. Une fois que j'ai fait mon bac plus 4, j'ai dit, c'est quand même pas mal, je me suis arrêtée. J'ai commencé déjà à l'école à constituer mon petit réseau de filles à qui je vendais les mèches et tout. Donc, quand j'ai ouvert mon premier salon à Bonaprison, il était tout petit comme ça, 20 mètres carrés. Toutes mes clientes étaient mes premières camarades de classe. Elles venaient, il y avait mes profs qui disaient, mais t'es malade ou quoi avec ton bagage? Et pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu quittes? Tu vas jamais gagner bien ta vie. Et franchement, depuis que je vis de ma passion, de jour en jour, ça grandit. Après, passer de 20 mètres carrés aujourd'hui à presque 140 mètres carrés dans Bonaprison, un institut vraiment assez luxueux, très bien fait. C'est pas le luxe de l'argent, mais le luxe mais c'est parce pas donné, que... mais moi, ouais, je sais pas, excusez-moi. Il faut préciser peut-être pour ceux qui ont vu Olivia. Elle a été coiffée par Larry professionnel, je pense. Ah ouais, ben merci, Larry professionnel maintenant. Bon, ok, bon, puisque on est même là. Joyce, elle se coiffe aussi souvent à chez Larry. Donc on a pas mal on a pas mal de clients, on a pas mal de stars, que ce soit Daphné, Bailey, que ce soit Choura, elles se coiffent toutes là-bas, elles le font souvent la pub aussi sur Instagram et sur. Elles publient, que ce soit sur Facebook, elles sont contentes de leur coiffure. Il y en a plein. Aujourd'hui, moi, je suis très contente parce que quand on vit de sa passion et qu'on exerce ce qu'on aime, je pense qu'on fait ça mieux. Wow. Et donc, aujourd'hui, je suis. Tu peux aussi me coiffer. Bien sûr, on coiffe les hommes. Là, quand tu me regardes physiquement. De cette envergure, non. Magnifique. Tommy? Bon, mais à ce rythme-là, je risque de ne plus poser ma question parce qu'elle va tout répondre aux questions avant qu'on arrive. Donc, quelle est la philosophie, quelle philosophie sous-tend la création de la marque, la Ritz professionnelle, et qu'est-ce qu'elle englobe au final?
En fait, la philosophie de la MAC Life professionnelle, c'est la naturellement belle. On va arrêter les stéréotypes de parce que tu mets des tissages que forcément t'es moche. Ou alors, vraiment, les filles vont se cacher derrière les tissages. Toutes mes filles, là, elles sont nappies à la base, y compris moi. C'est-à-dire qu'elles ont des cheveux naturels. Comme Denise, aujourd'hui, qui est venue avec ses cheveux. Moi-même, j'ai sélectionné les filles. Voilà. Elles ont les mêmes combinaisons. Oui, c'est le tissage. En fait, ça veut dire qu'elle a le droit. Si elle veut être avec ses cheveux afro, elle peut garder ses cheveux afro. Si elle veut garder ses cheveux, peut mettre un tissage, elle met un tissage sans avoir le besoin de défriser ses cheveux. Parce que justement, on a des techniques qui permettent aujourd'hui de pas forcément dénaturer le cheveu parce qu'on veut changer de coupe de tête. Et donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, la philosophie, c'est naturellement belle. Et justement, et qui s'assume et qui, tout simplement, n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Ça se voit, ça se voit. Le plus important, c'est sa personne. De comment elle se sent. Sur mesure. Oui, tu disais donc. Il y a quelqu'un sur toi. Mais, Karago. Hein? On a framponné Calagan là-bas. Tu pas vu si on est marié par là-bas. Non, mais, on peut faire ce qu'on appelle confobifobac. Tu es marié. Ok, donc justement, il y a la philosophie, mais il y a également ce qu'englobe l'ARIS professionnel. Voilà. En fait, l'ARIS professionnel, c'est tout simple. C'est une académie de formation agrégée par le ministère de la Formation. C'est un institut de beauté qui se trouve à Bonapriso, Carrefour Tête de l'Air, à côté de Canal+. Et c'est aussi une marque de cosmétiques. Aujourd'hui, je suis contente, chez l'ARIS professionnelle, de pouvoir utiliser mes shampoings de ma propre marque, de tout ce qui va être des demelants de ma propre marque, tout ce qui va être dans mes formations, comme formation fausse et de cils à cils, ça va être ma marque. Des vernis à ongles, des poses de gel, ça sera la marque l'ARIS. Et surtout, après, on va attaquer tout ce qui va être la peau et tout ça. Donc, pour l'instant, on essuie de cheveux, du shampoing, des après-shampoings, aussi des huiles et tout ce qui est activateur de boucles. Et on est aussi sur les cils, on est sur du matériel professionnel aussi, que tous celles qui vont utiliser pour les dongleries, que ce soit du gel, tout ce qui fait les dessins et tout. L'ARIS professionnel a sa marque. Aujourd'hui, mon égérie, alors, c'est celle-là qui va être... Je veux justement familiariser un peu le public de... On va poser les questions. Tu vois. Non, mais c'est bien quand on est guidé par sa passion. Parce que ça coule de source, en fait. C'est-à-dire, elle a de l'éloquence en elle. Quand elle parle, tu sens qu'elle maîtrise son domaine. Désolée. Je dis, bon, il faut aussi pour les hommes. Parce que bon. Mais pourquoi ça contient le sens de toutes tes aisselles à chaque fois? Qu'est-ce que tu cherches? Certaines femmes effrayées avec les aisselles. Je dis que bon, tu aussi conseilles jusqu'aux aisselles, non? Et là, les hommes quand même. L'homme fait comme ça, les démembrés quittent sur lui comme ça. Tu vois ici, c'est comme l'incoum-coum. T'as pas lié à sa question, s'il te plaît. Comme l'incoum-coum. Alors, on se retrouve avec des ravissantes filles sur le plateau. Il y a bien sûr un monsieur qu'on salue. Est-ce qu'on pourrait zoomer en fait sur les magnifiques créatures? Non, elles sont belles. Ah, elles sont vraiment. Elles sont comme des poupées. Alors, quel a été le parcours en fait des filles jusqu'à cette étape? Alors, ce qui s'est passé, c'est que moi, au début, honnêtement, je me suis dit, de toute façon, je voulais pas chercher mon égérie. Je voulais pas aller prendre quelqu'un dans les catalogues qui est déjà dans des magazines ou alors une fille, un mannequin. Un modèle, un mannequin tout fait. J'ai dit, je vais raconter une histoire, tout simplement. Alors, j'ai lancé une annonce sur Facebook. J'ai dit, OK, recherche pour un casting des cheveux nappis pour être égérie, l'ARIS professionnelle. D'accord. Le lendemain, j'ai reçu 300 candidats qui sont arrivés. 300, je vous dis clairement. Nappis? Toutes nappies. Wow. Des créatures, des bombes. À la base, il fallait être nappie. Il fallait être nappie à la base. Parce que justement, moi, je suis contre celles qui défrisent. En fait, c'est pas que je suis contre. C'est pas dans ta philosophie. Voilà. Ça rentre pas dans la philosophie. Oui, la en fait, je dis qu'on peut faire des tissages sans défriser les cheveux. Voilà, c'est vrai ce que moi, c'est ce que je dis. Et donc, les 300 candidats sont venus, on a passé les castings. Dans les castings, elles devaient faire des exercices comme, par exemple, essayer de faire, par exemple, la pub d'un shampoing. Mm-hmm. Par exemple, tu es un téléspectateur, tu regardes à la télé, la fille, elle est ton modèle, elle te montre comment est-ce qu'elle peut vendre ses cheveux. Comment elle donc, peut tout faire un ça. Casting. Tout avec un gros casting, justement, des critères. Et là, on a sélectionné 20 filles qui ont partagé massivement la vidéo sur Facebook. Mm-hmm. Et de ces 20 filles-là, finalement, après les partages, Facebook a départagé. On a vu le nombre de vues, celles qui ont eu le plus de vues, donc, de partages. OK. Donc, ce sont les internautes qui ont tranché. Justement. Sur la base du nombre de vues. Voilà. Des finalistes. Aujourd'hui, on a les 12 finalistes qui vont compétir le 8 décembre au Castle Hall de Douala. Dimanche 8 décembre, Castle Hall de Douala. Je pense que Tommy avait raison parce qu'elle répond aux questions. Oui. Ça va, on te pose plus les questions, c'est alors, tout. Justement, qu'est-ce qui va se passer le dimanche 8 décembre, dimanche prochain? Qu'est-ce qui va exactement se passer? Ce qui se passe le dimanche 8 décembre, c'est un défilé déjà de mes chéries qui vont être là, ils vont mettre...
elles vont se mettre en valeur, on va les habiller, elles seront le plus magnifiques possible. Et après, il y a entre deux défilés, il y a des artistes qui passent, notamment on a Blanche Bailly, on a Daphné, on a Shura, on a Nyangono qui va aussi venir bien secouer la pièce. Et surtout, il faut dire que ça reste un truc quand même de qualité. Ça veut dire que tous ceux qui viennent, il y a à l'entrée, tu as ta petite coupe de champagne, tu as des petites miniatures à manger. Oui. C'est vraiment, on va rester dans du chic, du glamour, avec une soirée où justement on va jusqu'à l'élimination et choisir les jurys. Qui va être mon égérie, qui va représenter la marque, l'ambassadrice, celle qui sera sur la photo, qui aura la photo sur mes bouteilles de shampoing. C'est quel mandat? C'est la durée du mandat? Un an, à partir du 1er juillet. Quelles sont les modalités d'entrée? Oh, papy. Il faut dire les modalités d'entrée pour être égérie. Pour avoir accès. On a des billets de 25 000 qui donnent accès à une bouteille de champagne. D'accord. Et des miniatures à manger. Je dis bien champagne. Et je vous dis clairement, vous savez qu'une bouteille, c'est 25 000. Donc quand on dit 25 000, une bouteille de champagne, c'est vraiment pour faire vivre les gens des bons moments. C'est gratuit. C'est gratuit, en fait. Mais il faut quand même tenir les gens. Il faut qu'ils aient soif. Il faut que ça se passe bien, qu'on soit dans une ambiance conviviale. Et après, il y a les billets de 5 000 francs avec deux Schweppes agrumes. C'est mon niveau là-bas. Schweppes, c'est les partenaires. Alors, moi, j'avais envie de savoir, comment on est, rapidement, si tu permets, Donald, comment on part d'un petit 20 mètres carrés à Bonapriso, à l'espace que tu as aujourd'hui, mais surtout à organiser un événement de cette envergure, parce que tu es au Castle Hall, tu as comme invité des artistes vraiment qui ont le vent en poupe, Daphné, Shura, Nyangono du Sud, et tu as Blanche Bailly, et tu as toutes ces filles que tu vas habiller, que tu vas coiffer, tu as tout un show qui va. Que tu organises, qui a dû te coûter, je sais pas. Les yeux de la tête. Comment on y arrive? Non, comment est-ce qu'on en arrive? Il faut dire quand même que, bon, j'ai commencé tout simplement, au début, je faisais mes coiffures et je publiais sur Facebook et ça attirait beaucoup de monde. Donc, j'ai commencé déjà à me faire un peu mon portefeuille comme ça. Et par exemple, quant aux artistes, tu as Daphné qui vient en tant que marraine déjà, donc pour vous dire que c'est déjà beaucoup de gains. Je suis allée voir des entreprises telles que SABC. Donc ils avaient un produit Schweppes qui m'intéressait, mais complètement, parce que frais et fatigants sont mes filles. C'est le slogan. Oui, mais c'est une chose, c'est une autre que de te signer, je veux dire. Ouais, non, mais si, parce que je suis allée avec un projet, avec une demande de sponsoring aussi. Ils ont vu que c'était vraiment moderne, ça avait du cœur, ils sentaient qu'il y avait quelque chose de bien, ils m'ont suivi. MTN a fait la même chose. Et Canal 2 aussi. Canal 2 aussi, justement. Voilà. Il y a aussi Easy Group, qui, justement, aussi, c'est tout ce qui est. Donc voilà, quoi. Notre table, il sera à notre table. On l'aura où, là? Ça, notre table, là-bas, à la soirée. On va vous mettre bien. Alors, bien placé quelque part. On ne va pas manquer la soirée. On est avec Ingrid, de la professionnelle. Elle a répondu à toutes nos questions, 10 questions, et on n'a que posé que 4. Oui, non. Ça coule de source, ton panier de 10. Une fois. Non, mais c'est le prix de la passion, ça coule de source. Elle parle d'elle avec. Elle connaît son affaire. Ouais, le rendez-vous, c'est le dimanche. Merci beaucoup. Le 8 décembre. C'est le 8 décembre. En passant Steve, c'est Steve qui est le host. Steve Foncan, alors il m'a promis une présentation de malade, parce qu'il faut déjà voir sa page. Elle seule n'est pas le seul. Il a la pêche, il est. Donc il pêche. Il a la pêche, ça veut dire qu'il est plein d'énergie, il est positif, il a quelque chose qui rassure, qui te tient la salle, il est bon. Voilà. C'est alors, ça. Je profite pour te présenter, te proposer un autre présentateur, hein. Je sais jamais à quoi ça peut servir. C'est Dexter, c'est notre chroniqueur 2.0. On est dans le mailing, directement on retrouve Dexter qui est avec le public et le thème aujourd'hui c'est comment gérer une amitié avec un copain qui est tabard. Salut Dexter. Salut Joe et salut à nos invités, aux belles demoiselles qui m'entourent ce soir. Ce soir la taxonomie est plutôt non exhaustive, on aura juste les commentaires et les selfies parce qu'on n'a pas assez de temps. On va aller donc rapidement avec Atango Chou, c'est comment? On est là. Tant que la personne sait qu'elle ne doit également rien me demander, il n'y a pas de problème. On continue dans cette hypocrisie qui ne sera jamais de l'amitié. En même temps, tu la trouves avare. Comment si toi-même tu n'as pas assez de doc et ridicule pour toujours commander. Perso, je peux vivre avec un avare sans jamais me rendre compte. J'aime pas demander.
attendez, Catherine Tiwa, c'est comment? On est là, Catherine. Moi, je peux pas être avec une personne avare, on va aller nulle part, car l'union fait la force. Autre message, Patrice El Checo, c'est comment? On est là, El Checo. Ce n'est pas facile du tout de gérer ce genre de relation. Comme il est dit, aucun problème n'est sans solution. Il suffit juste d'éviter aussi possible de demander ou emprunter ces choses, de peur de vous installer dans un conflit permanent. L'idéal serait pour moi de ne plus toucher à ces choses, mais d'être là pour lui, d'accepter qu'elle prenne vos choses, ceci ayant un but médicamenteux, amener la personne à voir à changer positivement. C'est un point de vue. Autre message, Kelly Jack, c'est comment? On est là. Moi, ça me pose pas vraiment de problème. Il ou elle est avare, mais pas forcément méchant ou méchante. Ce sera une amitié presque normale, juste que les petits cadeaux iront juste dans un sens, mais à un certain niveau d'amitié, la personne peut changer, mais juste avec toi, puisque tu seras toujours là. C'est pas parce que c'est quelqu'un avare que vous pouvez pas être de bons amis. Et pour terminer, Seigneur Liam, c'est comment? On est là. Très avare, vous dites, eh bien, on lui fait part de son comportement et on lui dit, si tu touches encore ou convoite mes choses, on va pas te dire comme tout c'est pour toi là, tout pour toi, rien pour les autres. Essaye seulement et ensuite on devient aussi avare que lui, exceptionnellement avec lui, et on lui montre clairement qu'avec les autres c'est différent, et si il change pas, on passe au niveau supérieur. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. On a naturellement reçu beaucoup plus de messages sur la page Joe, mais on va s'arrêter là pour le direct. D'accord. Et comme le disait le philosophe François de la Rochefoucauld, les amitiés sont un ménagement réciproque d'intérêt, un commerce, un échange où l'amour propre se propose toujours quelque chose à gagner. Donc, c'est à méditer pour nos followers qui nous suivent. On va switcher parce que ça, les téléspectateurs ont tenu à sacraliser ce moment. On va tout droit vers le pin-up. Vous le savez, le mailing ne serait pas le mailing sans les selfies. Voici le pic d'audience. D'être avec vous, la 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 la. S'il vous plaît, nous voulons vivre un rêve, celui d'être avec vous, la 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 la. L'ambiance est chaude et unique, avec un public dynamique. L'ambiance est chaude et unique, avec vous, public dynamique. 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 Nanje emunyange na munyange ofile mai ayogoe le ndo mi so mai limbaji kaloe omunji mose yo e biam telende bwanwonye nanje emunyange na munyange omile mai ayogoe le ndo mi so mai limbaji kaloe omunji mose yo engingilaye le wese demana engingilaye le wese. Vous êtes fait rien pour les autres. Allez, on y va, on est au pas de course. Le sujet, Tommy. On y va rapidement. Le sujet, il est clair. Comment on gère une relation amicale avec quelqu'un de très avare, quelqu'un de très chiche? Bon, nous étions sur le terrain pour poser la question à monsieur tout le monde et nous aurons notre Vox Pop. Et on ne va pas aussi manquer d'avoir notre personne de ressources, Maurice, sur la part téléphone. Et le sondage. On enchaîne avec le premier élément. Le Vox Pop. Si je suis avec un ami qui est chiche, il attend toujours que je lui donne, mais il ne me donne rien. C'est mieux de lui faire comprendre et le faire asseoir. Nous sommes des amis. Toujours c'est moi qui fais un geste, toi tu ne fais pas un geste. C'est ça, ce n'est pas la vie. Si tu as un ami qui est avare, qui passe son temps à prendre, essaie de lui en parler, asseyez-vous en parler. Maintenant, si une, deux, trois fois, il ne parle, il ne comprend pas. Si tu as les moyens, tu continues à lui offrir.
Parce que certainement en dehors de manger peut-être boire, il a d'autres qualités que tu qui fait en ce que vous marchez ensemble de temps en temps. Si vous êtes le genre à partager, oui, ce n'est pas à travers lui que vous allez peut-être avoir un retour. Mais le Seigneur est là. Ramène-toi vers lui et dis-lui ces quatre vérités. Que comme tu vois là, ce n'est pas comme ça qu'on vit. Quand tu es avec les gens, vous essayez un peu de vous associer pour que vous soyez un. Pas que c'est rien que moi, c'est qui doit donner. Si aujourd'hui je donne, demain c'est comme ça que toi-même tu pourras donner. Okay. Voilà. Maintenant, c'est à notre tour maintenant. Parce que ça me fait chaud au cœur. J'ai envie de parler. Vas-y, Caragan. On commence par moi. Oui, vas-y, tu veux parler. Bon, premièrement, dans ma philosophie, l'amitié est basée sur l'intérêt. Voilà, il n'y a pas d'amitié sans intérêt. Okay. Et maintenant, l'intérêt n'est pas toujours matériel, d'ordre matériel. Voilà. Il y a toujours du donadoni. Je peux savoir donner. Il y a des personnes avec qui tu es, il faut juste savoir les exploiter aussi d'une certaine façon. Il y a ceux qui ne savent pas donner. C'est 5 francs, je cherche pas son frère. Il ne peut pas te donner un jus, ni une bière, ni t'amener dans un resto. Pourtant, tu le fais régulièrement. Mais ton enfant peut chauffer dans la nuit, il porte la voiture rapidement, il est disponible, il revient avec. Tu peux avoir un souci dans un autre plan et là-bas, c'est son domaine. Rapidement, il te rend ce service-là. Donc, il faut savoir manager la l'agréable. Voilà. Donc, chiche pour moi, tant mieux. Si tu es positif dans un certain domaine. Parce que nous, on a eu des amis pareils, on a dit on va le jeter. Après, tu commences à regarder que non. Son côté positif, finalement, c'est quoi? Il est disponible. Quand tu as un souci, il est là. Comment on peut faire? Il trouve le plan A, B, 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 C prime. Et là, il te donne pas le moyen. Ouais, c'est un intérêt. Fanny? Voilà. Moi, je pense en fait que tout n'est pas que financier dans la vie. Hein. Ah. Il y a une définition assez simple de l'amitié qui est toujours être l'un dans le cœur de l'autre. Je pense que ce sont les choses les plus... les plus importantes, c'est le partage des valeurs et que les personnes les plus généreuses financièrement ne sont pas forcément les personnes qui nous aiment le plus. C'est là, très très, très important. Je pense qu'il est important de définir en fait les bases réelles de l'amitié et savoir exactement ce qu'on attend de l'autre. C'est trop beau. Hein. Ingrid ? Oui, pour moi, honnêtement, quand j'ai, je donne. Hein. Si que tu me donnes pas, ça me fait rien. Parce que tout simplement, moi, je pense que je te donne. Et de toute façon, ma main ne manque jamais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je te donne. Demain, même quand je suis le plus fauché possible, il m'arrive toujours quelque chose. J'arrive toujours à obtenir. Parce que moi, je pense que tout part de la générosité. C'est bonne personne. C'est comme moi. Bonne personne. Jamais fauché. On a toujours les plans A, B, C. Tu crois qu'à un moment que tu es fini, après, il y a une résolution qui sort. Mais moi, je ne suis pas. Tu es comme ça, positif. Je ne suis pas riche. Ton dos ne touche pas le sol. Je suis généreuse. Pas riche, mais généreuse. Ok. Et elle sera très généreuse juste après. Donc, on a les. Oh, franchement. Les quatre vérités, 70%. Ouais, yes. Les quatre vérités, 70%. Les quatre vérités, 70%. Et vous verrez l'indifférence, 20%. Yeah. 25%. Et juste en bas, la séparation, 5%. On espère. Il y a certains qui ont estimé qu'ils peuvent se séparer 5%. On prend Maurice Somo par téléphone et on se retrouve juste après. Il n'était pas là aujourd'hui. Bon, il faut déjà dire que... quand on parle de l'amitié, on parle non seulement d'échange, de relations affectives, mais également d'une mise en commun des moyens. Bon, dans tous les cas, la première attitude que vous devrez adopter, c'est l'attitude libre. À partir du moment où c'est un échange, c'est-à-dire que dès lors que vous diminuez, par exemple, les services que vous mettez à ma disposition, de mon côté également, j'ai diminué la qualité des services. On peut revenir à ce qu'on appelle une amitié sèche, c'est-à-dire qui se limite à de simples échanges de convivialité sans qu'il y ait autre chose plus loin que ça. Mais la vérité, c'est aussi qu'il ne faut pas rester tant qu'il faut essayer, parce que certaines personnes ne le sont pas, ils ne sont pas très avares. De façon assez de façon provoquée. Ils le sont de façon naturelle et ne comprennent pas la signification de la relation amicale. Si de dire à l'autre, ou peut-être de lui révéler, peut-être il n'en est pas conscient, de lui révéler que son attitude peut porter préjudice à la nature de la relation. Parce qu'il le fait peut-être de façon inconsciente.
que j'ai appelé une amitié sèche. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'autre est très avare, ne peut rien ne vous donner, vous mettez là la posture de celui qui ne peut également rien vous donner. Et ça laisse une amitié de convivialité, de sympathie, sans plus. Mais aller vers la rupture ne serait pas une... Alors, Ingrid, je t'invite à regarder les yeux de Pani. Il faut regarder Pani dans les yeux. Je précise qu'ils sont myopes, mais. Tu vas y voir un truc. Donc, non, y a quand même... Mais j'aimerais bien passer pour avoir les regards plongeants. J'espère que je pourrai supporter. Voilà, donc mes yeux en fait font un petit tour et puis observent des choses. Et là, aujourd'hui, on parlera d'un jeune Camerounais super talentueux. Appelez-le Ghislain. Qu'est-ce que tu essayes de faire? J'espère que c'est pas pour m'assommer. Ghislain Belinga, qui est alors un artiste portraitiste, stylographiste. Ça, j'ai découvert il y a 2-3 jours. Parce qu'il fait tout, en fait, sur la base d'un simple stylo qui coûte, un stylo à billes qui coûte 100 francs CFA. Et le concours de la réalisation, je vous invite à regarder ce chef-d'œuvre. Wow. Donc, il faut préciser, en fait, qu'il le fait depuis qu'il est tout petit. En fait, il a commencé à dessiner depuis qu'il est tout petit. Il est actuellement étudiant en cycle master à l'université de Yaoundé en filière histoire. Donc, âgé de 24 ans, ses aspirations sont diverses. Avec le stylo, non, voilà. Donc, justement, le but de tout ceci, c'est de pouvoir montrer qu'il est possible, en fait, de faire des choses extraordinaires avec un stylo 200 francs, peu importe la couleur. Ah, contrairement aux crayons et tubes de peinture qui sont coûteux. Donc, il veut éduquer via l'art. C'est ouf. Et je pense que le principal message, c'est qu'on peut faire des choses extraordinaires avec ce qu'on a, à défaut d'avoir ce qu'on souhaite avoir. Je pense que ça rejoint un tout petit peu la passion. Oh là là. Non, c'est magnifique. Oh là là. Moi, sincèrement, j'ai craqué dessus. J'espère qu'on pourra le revoir. Merci de me ventiler parce que j'en parle. S'il vous plaît, ça s'applaudit. C'est Ghislain. Je pense que c'est l'une de mes meilleures trouvailles. Hier, on parlait de ça. Et ton visage, là, c'est Ghislain, là? Oui, donc là, on a Ghislain. Bravo, Ghislain. Ça, on pas. Wow. Voilà, qui signe en fait ces magnifiques chapeaux, hein. Qui sont faits, je précise, à base d'un stylo à billes de 100 francs. Les yeux de Pani. Oh, non, ça, c'est ça, on m'a tout copié, quoi. Ah oui, il t'a tellement copié que tu disparais, n'est-ce pas? Alors, voilà. C'est Ghislain, hein. On espère qu'on aura l'occasion de l'avoir sur ce plateau. Oui, comme invité. On l'espère aussi, il est basé à Yaoundé et je pense qu'il viendra bientôt si on l'invite. Bravo encore Ghislain. Il y a une page Facebook, une référence sur Internet pour retrouver, je sais pas, ces oui, dessins. On mettra sur la page en fait de l'émission C'est comment ce soir les coordonnées de Ghislain. Ah oui, c'est très très intéressant. Oui. Donc les coordonnées seront mises sur la page. Ça fait partie des objectifs de cette émission, être une passerelle hein, à la découverte exactement de véritables talents. On est pratiquement à la fin de ce programme. On était avec Ingrid. Poser un super défilé de mode qui sert d'avant-goût avant la soirée de dimanche. Ben dimanche évidemment. 8. Alors, les candidates, les 12 candidates, bon, elles ne sont pas 12, je me trompe. En tout cas, là, on en a 7 aujourd'hui. On en a 7, en a 7 des 12 qui sont des candidates à être égérie de l'art professionnel. La première édition voilà. Égérie pour un an. You have the floor. On y va, les filles. Wow. Wow. Wow.